parler où, hein? Là où parler, hein? Ok? Ok? Bonsoir à vous tous. M'adémande-nous pour nous debout, pour nous commencer avec nos chats d'entrée. Et m'adémande tout bon du monde qui vient là, fait un effort après-midi, qui nous la prière, il monte vers nos créateurs, pour nos frères, mais aussi pour la famille. C'est un moment douloureux pour la famille. Alors, voilà pourquoi on demande aux autres pour prier ensemble avec toute l'Église. Merci. Sa vie vraie, c'est rendre grâce à Dieu. Car notre frère, lui aussi, joue, il est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. À travers son baptême, Nicolas aussi, il est appelé à marcher avec le Christ. Voilà pourquoi, cet après-midi, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, qui est tout-puissant, par sa présence, vous donne la force, le courage, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Mon bon frère, mon bon sœur, nous commençons en regardant les symboles qui rappellent nous justement l'amour bon Dieu à travers nos frères Nicolas. Les deux bougies, ils rappellent moi, nous baptêmes, comment baptêmes nos frères Nicolas. Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Quand il peut cause de la lumière, il peut cause le son l'amour.
Nicolas, pareil, nous tous ici, nous nous recevons l'amour, bon Dieu. Et dans son amour, il invite nous pour nous marcher avec lui. Nicolas, tu es un garçon attentif à l'école. Justement, en pensant à sa sœur tout à l'heure, fais mon rappel, il était avec moi dans mes classes à Plaisance secondaire. Un garçon attentif, parce que moi, tu donnes des cours religieux. Et tu comptes sur bon Dieu. Une masse avec bon Dieu. Juste pour masse plus près avec vous, Seigneur. Au centre, sur la tête, nous voyons une croix. Une croix dressée sur le monde. Cher ami, c'est par le bois de la croix qui nous ferait une gagne plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Car jour, tu gagnes baptisé, à l'accueil, tu gagnes marqué par l'empreinte du Christ, en devenant membre par entière de l'Église. Alors, m'invite où est la congrégation pour nous unir ensemble après-midi dans ce moment douloureux. Pour nous prier pour le repos de l'âme de notre frère, mais aussi pour prier pour nous-mêmes, comme nous prions pour la famille. C'est douloureux, mais le Seigneur il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec nous. Il est omniprésent, et c'est notre foi qui nous pousse à croire qu'il est là. Let us pray. Seigneur Jésus, tu as permis que notre frère Nicolas, qui nous a quittés, soit celui qui nous rassemble ce soir. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir de la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous plus près de notre frère Nicolas, plus près de toi qui es vivant aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. Amen. Neuf assises. Dans l'incertitude, il est bon pour nous écouter parole bon Dieu qui dit nous dans ce moment difficile. The first reading, please. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux qui Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, les puissances, ni les présents, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. I would end.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que le Juif venu avec elle pleurait aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les Juifs se disent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là. » Alors, Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Asseyons-nous pour les témoignages maintenant. Le témoignage. Où tu es là, hein? Viens dire bonjour. Zoto. Témoignage sorti pour l'association Badminton CCL. Bon après-midi, tout le monde présent. Bon après-midi. Aujourd'hui, Nicolas, il fait nous rassembler ici. Aujourd'hui, Nicolas, il fait nous rassembler ici d'une façon vraiment triste et aussi difficile pour accepter. Pareil, nous, ce bon collègue qui te connaît vraiment bien, Nicolas tient du monde qui te toujours pareil pour encourager les autres, spécialement bonnes filles, pour qu'ils autres pas laissent tomber dans ses mains et tout le temps persévérer dans le training et dans la vie en général. Son grand parole au corps, ou pour tout le temps tendre, c'est en nous aller, maman, là, pas give up. Mais toujours après, il finit avec un grand sourire au son figure. Pendant nous bonnes les temps qui nous socialisaient, Nicolas tout le temps sa dimoun pour mettre la gamme et faire si qui nous bon moment, il vient inoubliable. Nico, pareil beaucoup nous, tu cries lui. Il y a des gens qui ont tout le temps en an, l'ambition et que l'envie de gagner pendant n'importe qui compétition. Sa garçon pour jouer les bras cassés pour son pays, même si son opponent est capable plus fort qu'il est. Aujourd'hui, l'équipe badminton CCL, l'océan Indien et même l'Afrique, ils perdent un joueur, un frère et un collègue qui tient en encore beaucoup pour faire et partager. Et malheureusement, nous perdons un grand joueur qui est tout le temps promettant. Sa nouvelle triste nous choque beaucoup et sans même oublier nos bonnes amies à l'étranger. Nicolas, on quitte une grande place vide dans l'équipe CCL, même si récemment, ou pas si active pareil avant, mais on tout le temps voit un petit temps pour venir appuyer les autres qui sont encore là. Merci pour tout. Ou bonne bonne mémoire. Nous pas pour jamais gagner face et pour dans nous les cœur. Mon cousin Nicolas, après pour 3 semaines passées, il dit mon Joe, il dit contrairement pour Pasco tout, côté l'atelier ou bien, mon pour Colou, mon est quelque chose de mon vivant, discute avec vous. Mon dit il y aller. Mais malheureusement, mon pas pour jamais connaît quoi qui Nicolas tient en vivant, discute avec moi. À Jenico, qui ou l'âme a repose en paix et nous avons besoin des jours. L'association badminton CCL, et aussi nos bonnes amies à l'étranger, nous les passons nos sincères condoléances avec la famille et les amis Nicolas. Merci. Il y en a encore un. Il y en a
après-midi à tous. Bon après-midi. L'honorecier, comment nous compagnons? Madame Djoumaï, membre de la famille, collègues, les amis pros. On partage un témoignage, Nicolas Djoumaï avec Zot. Le 1er septembre 2004, Nicolas Tizonessier, Airport Fire Service, comme un SEP Farmen. Salané, tu pourrais 17 ans service et beaucoup, son bon collègue, Tikrili, ton Djoum. Il gagne training d'aviation firefighting, coxswain, diving instructor, first aid, et tu aussi gagne sens à l'atteindre l'entraînement à l'étranger, en Singapour et l'Angleterre. Le 9 juillet 2009, il gagne promote comme un leading. Farmen. Après Kitinal, overseas pour un training dans crew commander, si gagne pour Motud, comme un sub-officer en mai 2016, quand il gagne place dans la section Sea and Rescue. Nicolas tient 10 monde qui te est dévoué pour son travail et il fait ainsi qui complète tout son travail à l'air. Il est bien actif. Et comment un participant de toute activité qui a essayé de faire, ton djoum tient face. Elle est, ou tu demandes lui un aide, il est tout le temps paré pour aider. Ton djoum, nous remercions pour tous les efforts qu'il fait pour section Sea Rescue et faire service en général. Ou non? Tout bon travailleur de département faire service et section nous disons que nous ne pas pour jamais oublier nous vraiment choqués et chagrin qui nous quitte nous si tant vite nous quitte tout vite dans nous les cœurs sans dire un au revoir dernière parole qui Nicolas Dimon j'ai dit les types à l'offre Dimon Valentin ça ne l'ont pas fait. Vous ce que vous mais après, je ne sais pas si vous avez gagné la parole. Adieu ton jour, dans un jour. Merci. L'amour, il plonge nous dans un cauchemar.
les ciel, il y en a un qui n'écoute. Et sœurs, avec votre ami, notre ami, mon frère Denis, qui est là dans le coin, je connais bien le personnel du SCA, nos frères, Valentin, comment fait ton nom, nous sommes ensemble après-midi pour nous présenter à la famille Djoumaï, ainsi qu'à vous tous ici rassemblés, toutes nos sympathies, toutes nos condoléances à la mort de votre bien-aimé frère, enfant. Frère Exer, grand monde dit, la mort, jamais y en a raison. C'est dans ça l'esprit que nous sommes contents, nous pas trop de justification. N'est-ce pas? Nous pas trop de justification. Johan, ou nous faire ressortir un point qui très touchant. Là, on dit ça, il touche moi-même. Là, tu dis oui, tu peux voir où. Et là, on demande où le corps, puis toi, tu nous allais même jour. À cause de moi, ça, il y en a des gens qui me marquent, moi, de sa même la ligne. Un est père, père V, qui est connu, qui est pour les ans. Il dit, moi, dans les trois jours, nous avons besoin de causer un coup, nous deux. On peut espérer des trois jours, et voilà, il rend son âme à Dieu. Il y en a un autre frère, Clément Camille, qui a beaucoup de monde, d'Igoise, et voilà, il aussi, il fait rudement pour nous causer un coup. Malheureusement, nous n'avons pas gagné sa sens. Et parfois, vous demandez, l'un des gens dit qu'il a envie de voir où, il a envie de causer un coup, on nous trouve le temps, on nous fait nous mieux. Peut-être ça qui manque nous, c'est l'écoute. L'écoute. Parce que dans la vie, il y en a du monde qui en a fardeau. Par exemple, il dépose nous fardeau. Mais il y en a, il peut être the right person to talk with. À cause si moi pouvais dire ouais, quelque chose, et puis moi, t'en, l'autre Pierre, Zach, il peut causer. Pas vaut la peine, puis moi, tu débout là, moi, je dis, voilà, moi, tel quelque chose. Non. Il peut avoir somebody that he can trust. Et malheureusement, aujourd'hui, les regards autour de nous, ce n'est pas aussi facile de trouver ça du monde pour faire qu'on ait la confiance. Beaucoup de nous, nous pas gardent sa parole confidentialité. Et peut-être c'est ça aussi, parfois, il y a ce décalage. Qui est-ce nos réactions? Frère Exer, après-midi, l'air nous apprend sa nouvelle. Qui nous pense? Qui nous dit dans nous-mêmes? Pour moi, parce qu'on est à cause de mon frère aussi, qui mort brutalement le sabato avec 5 Indiens, ça joue là, la saucée. Et pourtant, quand mon père assis, je me dis, Seigneur, mon temps d'ambulance peut aller vite, qui faut espérer n'a pas rien grave. Et pourtant, mon frère est mort là-dedans.
de bateau. Ce bateau qui est l'ammoniaque, c'est tous les autres. Et c'est pour cette raison qu'il est nous entendre un quelqu'un mort accidentel. Il mort d'une bonne façon difficile. En nous toujours, adresse Seigneur. Seigneur, donne à la famille le réconfort. Donne à la famille le réconfort. Pour vous accepter, pour accueillir sa haine qui nous peut le ramasser ou bien nous peut le regarder. Ce n'est pas facile, ça, mes amis. Il n'est pas facile. C'est pour cette raison qu'après-midi, mon Dieu va dire, avec la congrégation qui nous rassemblait, en nous en a la compassion. La compassion par Jésus-Christ, en nous. Jésus-Christ dit, mon pan vin zis personne, mon pan vin kodan personne. Mais, mon Dieu a la compassion, mon a la compassion pour vous autres. Mon a l'amour pour vous autres. C'est ça que nous devons avoir pour camarades. Là, on regarde l'attitude de Jésus, on nous s'est demandé, mais si tu viens là, si tu es là à l'heure actuelle, qui manière est-ce pour regarder la situation? Il pour regarder avec un regard d'amour. Les bons pharisiens, bons scribes, qui amènent une femme qui a attrapé comme être d'adultère. Cette femme, tu devrais gagner la mort d'après la loi juive. La loi dit ça. Par question, Jésus pose une autre question. Lesquels parmi nous qui n'a pas péché? Lesquels qui n'a pas fait? Sa haine qui n'a pas fait, qui envoie le premier rose, l'eau, sa madame. Et personne n'est capable de faire lui. Et Jésus te dit, et que sa madame, oh Elisabeth du monde, je n'ai pas le Seigneur. Je ne suis pas condamné, non Seigneur. Moi aussi, je ne suis pas condamné. Allez. Pas fait encore. Je redonne la vie. C'est ça qui m'a dit, la vie, nous sommes capables de voir du monde en bonne santé, physiquement bien, mais son fardeau, il loue. Il loue et il peut se crier et il est très dans le désespoir. Alors voilà pourquoi nous aussi nous besoin d'un regard de miséricordieux envers telle ou telle personne. On ne pas condamner nos camarades, on ne pas montrer les doigts nos camarades. Pour moi, mon content mon père de l'Église. Dis-moi, du monde qui réfléchit pour écrire une lettre, un canon, la loi de l'Église. Avant le Concile Vatican II, un du monde qui prend son la vie, par exemple, peut-être un grand monde qui est capable de rappeler, je ne passe pas l'Église. Tu arrives devant l'Église, je te fais toutes les affaires là-même, et puis tu as l'intérêt. Mais avec le Concile Vatican II, c'est le regard de miséricorde. Tout du monde, ils en font bon Dieu. Personne n'a pas droit à montrer les doigts, personne n'a pas droit à ziser. Ça, c'est bien. C'est bien à cause, moi, dit ça. Pour aider la famille comprendre qui nous passe dans la vie, nous, frères. Jésus, pour être crucifié. Pendant qu'il a la croix, il dit cette parole avant qu'il meure. Et pendant qu'il a la croix, il y en a un parmi qui gagne condamné avec lui. Il maltraite lui en croyant par dire une parole contre Jésus. Ça veut dire qu'il y a la gli. Hélas, non. Mais par contre, il y en a un qui l'a. Il voit Jésus, homme de silence. As we say, silence is golden. Silence is golden. Les mots dit silence is golden, I'm sure, brothers and sisters, qui maman, la famille,
Je t'entends tout sort quelque chose. Mais moi, je dis, garde le silence. Ou pour vaincre sa bande gossip. Silence is golden. Et Jésus, dans son silence, il tous les caisses à l'autre. Il séduit les caisses à l'autre. Il capte les caisses à l'homme. Et sa homme, il dit avec Jésus, tourne son regard vers Jésus, il dit avec lui, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Souviens-toi de moi. Et Jésus, pas t'espère, l'air pour venir. Il te dit avec lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. On fait un demande aujourd'hui, mon poudre nous, ou la réponse aujourd'hui. Je vois l'attitude de Jésus. Mais il n'est pas capable de vivre l'attitude aussi, ça? Vive le pardon. C'est quelque chose de chrétien. Vive la charité. C'est quelque chose de chrétien. L'un nous écoute, sa frère, le parcours de Nicolas, c'était un parcours brillant. Un sportif, un sportman, nous connaît pour dire le sport. Pour la jeunesse qui pratique le sport, mon félicite autres. On n'a pas le temps de faire imbécilité. Parce que l'alcool, la drogue, pas marché avec le sport. C'est de quelque chose qui pas marché ensemble, ça. Alors, nous voit, il tient bon sportman au niveau national, régional, comme international. Il amène la fierté pour nous. Ça, c'était son côté loisir. Son côté professionnel. Regardez, pendant 17 ans, vous écoutez, moi. Pendant 17 ans, regardez, il peut monter en échelle, en escalier. C'était l'aspiration pour vous. Moi, à Zépoli, encore un petit peu frais. Il fallait y chauffer. Là, il a. Il donne nous l'exemple. Il peut monter en échéance. Il a besoin, quoi qu'il en soit, Nicolas tient une vision aussi. Il tient envie de réaliser son plan. La photo qu'il m'envoie quelque part, c'était Nicolas dans la chapelle, dans l'église de cet esprit, si ma mémoire est bonne, avec deux de ses enfants, non? Magnifique ça. Tu vois? L'homme ne vit pas seulement avec le pain. Sa garçon, il pense en un sport, il pense en son côté professionnel, mais il y en a son côté spirituel. C'est ça qui, tout à l'heure, m'ont dit, quand il était à l'école, il était un homme attentif. Il t'y écoutait. Il jugeait la parole bon Dieu. Et c'est dans ça l'esprit qui nous demande, la congrégation avec la famille, nous demande l'Éternel, par qu'il nous ferait dans son royaume. Ça qui nous voit avec les yeux, ça qui nous voit, nous entend avec les oreilles, Seigneur, il voit l'autrement. Il y a aussi, avant qu'il te rende son âme à Dieu, mon sûr, qui Nicolas aussi, il est temps, dit, Seigneur, pardon. Seigneur, souviens-toi de moi. We don't know. C'est ça que vous trouvez après le Concile Vatican II, tout une passe l'Église. Parce que nous ne connaissons pas qui est arrivé le sabbat dernière étape dans la vie de quelqu'un. Alors, mon petit autre, frère, c'est en nous aussi, on a sa regard de miséricorde, de compassion. Quand nous entendons les souffrances brutales, accidentelles, on nous toujours met des paroles. Quelquefois, il y en a sa histoire Facebook, moi, pas qu'on aime, moi. On parle là, on va tout oublier. Mais les gens qui lisent, quelquefois, mes enfants me disent, comme si je te montrais la photo, cet accident. Comme si, il y a breaking news. It's a breaking news. You are not breaking, it's not a breaking news, you are breaking the heart. Nous pouvons blesser les cœurs, mes amis. C'est les petits. D'ailleurs, qui dit, nous, nous mourons pas n'importe comment. Nous sommes habitués avec ça. Mais les CCL, nous avons encore la dignité. Nous avons besoin de donner à la personne qui est décédée sa dignité. Nous n'avons pas besoin de montrer, démontrer comment il était. Comment il y a une mort ici là-bas. Une mort finie. Une mort accidentelle finie. Test close. Comme si moi pour faire breaking news. Non. Et ce n'est pas humain ça. Il n'y a pas la compassion là-dedans. Alors nous pouvons détruire une famille. Seigneur, où qui est tout puissant,
ou qui ne connaît qui ne passe dans la vie, nous frères, ou seuls. Voilà pourquoi nous confions-lui dans la main, dans l'abandon total. Nous demandons pour accompagner les soins des enfants à travers nos présences ici, à travers l'amour qu'on donne nous, pour qu'ils aient grandi avec dignité. Seigneur, envoie sur le chemin de chacun et chacune des gens qui sont prêts à écouter. Même si nous n'avons pas une parole pour donner, mais nous écouter pour nous soulager les peines de quelqu'un. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Alors ce soir, avec Nicolas, nous déposons toutes les souffrances du monde. Amen. Nous mettons debout pour la prière universelle. Carabine devant pour faire la prière universelle. Très bien. Frères et sœurs, prions avec confiance. Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Remember for good your son, Nicholas, as we remember him. Bring all who rest in Christ into the fullness of your kingdom, where sins have been forgiven and death is no more. Lord, hear our prayer. Lord, we are gathered here to pay our last farewell to our dear son, father, brother, and friend. Nicholas, may you grant him eternal life and receive him into your kingdom, where pain is no more. Shower your blessing on his family and friends who mourn today. Give them comfort and strength to carry on. Lord, hear our prayer. Aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et la justice. Ensemble, prions. Lord, we remember graciously in our prayers His Mother Marjorie, Father Joseph, Son Nathan, Daughter Jasmine, families, relatives, and friends. Lord, give them strength to carry on. We pray to you, Lord. That our faith continue to rise. Together we pray. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Après qu'ils nous écoutent, bonne grande intention de l'Église, autres aussi par votre présence cet après-midi, l'amitié que vous avez pour nous frères, pour la famille, alors on nous fait bon Dieu, nos propres intentions au départ,
de notre frère Nicolas. Seigneur, je prie ce soir pour la jeunesse sécheloise. Je prie pour le badminton que nos frères y participent. Aide la jeunesse sécheloise à sortir de un fléau qui a pèsé d'autres vivre et vint sa vraie athlète, un vrai sportman. En même temps, Seigneur, nous prions pour un firefighter. C'est une profession qui demande beaucoup et nous prions pour ça à l'occasion. Car il y en a des moments où moi-même je perds toute la vie. Pour sauver la vie, je perds toute la vie. Soit à terre, soit à la mer. Alors ce soir, nous prions pour vous autres, avec nos frères Nicolas. Let us pray. Seigneur Jésus, toi qui es là ce soir au milieu de croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leur appel. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Be seated, please. Moi, les rappels autres qui, étant donné que mon lance étoile, s'il y en a par hasard, demain, qui viennent dans mes sans étoiles, demain, nous commençons la fête Saint-Antoine. Et demain, prenons l'intention de messe pour le repos de l'âme de notre frère Nicolas. Car, autres donations, il y a le Towers the Church, St. Anthony's Church. Merci. De du monde pour passer la fête.
Mettez-nous debout pour nous dire, Seigneur, merci pour la vie qu'il accorde à Nicolas. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis, car tu as permis que notre frère Nico, qui nous a quittés, soit aujourd'hui pour nous celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes et par sa vie, plus fort que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, enfin, nous te prions. As a believer, let us say together the Lord's Prayer for our brother Nico. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent chers frères et sœurs, avant de nous séparer, de nous quitter, nous allons dire à Nico un dernier adieu. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Mes amis, l'Église y donne un petit temps de silence. Dans le silence, il invite nous pour nous faire mémoire. Mémoire, c'est revoir tout le bon moment que nous vivons avec nos frères. C'est ça, mémoire. Pas voir les côtés négatifs, car nous tous nous en avons, mais voir la positivité de cet homme et à nous mettre les dans la main, nos créateurs. Rappelle-nous son baptême comme la nôtre maintenant, mon poil béni sur les corps. Nicolas, notre frère, c'est ici que s'achève ton parcours. C'est ici que s'achève ton pèlerinage. Ainsi de ta foi et de notre foi en Jésus-Christ, je bénis ton corps au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Be seated, please. Amis, tout l'amour est la mort, mais ça dépend de quelles circonstances. C'est dans ça l'esprit que mon point vite je pour debout. Pour nous, pareil, Zézilo la croix, mais au pied de la croix, tiens dans son moment. Tiens dans son moment, et à ce moment-là, Zézilo, tu fais nous cadeau lit. Et nous demande Marie, pareil, son pauvre maman peut souffrir, la Vierge Marie aussi, tu souffres, sur lesquelles tu transperces. Alors, on a demandé pour réconforter les autres à travers les souffrances qu'ils nous connaissent et pour accueillir nos frères, pour amener les côté son garçon qui nous ferait Jésus-Christ. Je vous salue, Marie. Le
Je vous salue, Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre frère Nicolas et tous les âmes défunts reposent en paix. Avant qu'il me donne la dernière bénédiction, je ne peux pas aller sans dire merci à Denis et à l'équipe. Parfois, moi, si je m'imagine, c'est ça que je dis à sa compagnie. Là, il commence le zéro, il est tout le temps dans sa compassion, par exemple, il m'a fait causer. Et il essaye toujours un moyen pour accueillir nous. Même si nous encore là, il y a tout un moyen. Qui bon Dieu bénit avec la famille. Mais mon frère, Nilsen, mon sœur, Antoinette, moi je dis aussi merci. À cause de comprendre bien la liturgie. Et nous prions ensemble, je donne nous pour prier, surtout avec la famille qui est dans un moment difficile. Alors que bon Dieu continue, bénis autres, chers amis. La mort n'est pas la fin de tout. On a continué à prier les uns pour les autres. Surtout pareil demain, on peut prier. Il y en a un membre là qui vient la messe 4h30 en s'étoile. Et c'est moi qui vais prêcher. Et puis on va ça. Alors il y aura l'intention de messe pour le repos de l'âme de notre frère. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons maintenant notre frère Nicolas. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant dans ta grande bonté, où bons enfants peuvent se séparer avec sa haine qui chère pour eux autres. Et sa séparation physique, il plonge nous dans la peine, dans la tristesse. Voilà pourquoi nous demandons encore une fois d'envoyer sur chacun et chacune ta sainte bénédiction. Nous te le demandons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne entrée à la maison, que le Seigneur y accompagne vous pendant cette nuit qui est douloureuse, mais la présence de mon Dieu pour réconforter vous. Bon courage à vous tous. Merci. Qui monte qui compte mon petit sauté, et non qui pour demander. Qui mémoire mon fin laisse dans tout mon esprit. Est-ce qui si même aux histoires, est-il la lumière ou bien l'étim marée noire? Quand l'on met la bousille, la vie pour finir brûler. C'est gribant tellement l'existence pour arrêter.
question qui vous posez. Qui monte te qui côté moti sorti et non qui pour demander qui mémoire mon fin laisse dans tout mon esprit esquise tout raconter qui manye mon vivre toujours mon la vie quand l'on met la bouzi mon la vie pour finir brûler. C'est lui prendre mon existence pour arrêter. Esquise autre pour raconter mon fidélité pour l'église et mon pays. Esquise autre pour témoigner quand l'amour mon tiennant pour Moses. Suivre la loi mon Dieu. Oui, ça même qui t'y pour priorité. Quand l'on met la bousille la vie pour finir brûler, c'est lui prendre mon existence pour arrêter. Au moment content qui s'allait là, y arriver une fois. Quand laisser le couvert tomber mon lance pour appeler moi. Comment pour dire pour to pingalou pen bon les cous et ton âme en bon combat a stevin bon couronne la gloire bon Dieu papa there is an answer. Someday we will know and we will ask him why he had to go. We'll live and die, we laugh and we cry. We must take away the pain before we can begin to live again. So let it start, my friend, let it start. Let the tears come rolling from your heart. And when you need a light in a lonely night, carry me. Eternity that will now will make.
toi, il trop fort, trop fort pour comprendre sa séparation. Il a pour toujours, comme moi. Zone.